Ok les gars, du coup on est parti pour une toute nouvelle vidéo. Du coup je vais vous montrer où sont les gâteaux d'anniversaire des 3 ans de Fortnite. Du coup on va commencer par la première ville qui est Misty Meadown. Du coup on a le petit gâteau qui est en bas. Du coup en gros qui se trouve quasiment vers le centre de la ville. Du coup on fait une danse. Hop. Et ensuite vous devez consommer des gâteaux pour récupérer 50 de PV. Donc c'est 10 gâteaux pour l'avoir. Du coup, on va passer à la prochaine ville, à Lazy Lake. Du coup, les gars, on se retrouve au prochain spawn. Donc, du coup, on est à Lazy Lake. Du coup, faut aller au niveau de ce gros bâtiment. Et voilà, le gâteau est ici. Vous avez juste à faire pareil, une danse. Voilà. Hop. Et du coup, on se retrouve au prochain spawn, à Retail Row. Du coup, les gars, nous voilà arrivés au prochain spawn. Du coup, c'est à Retail Row. Du coup, en fait, voilà, il se trouve vraiment au centre de la map. Enfin, au centre de retail plutôt. Du coup, pareil, vous avez juste à faire une danse. Voilà, hop. Et du coup, on se retrouve au prochain spawn qui se trouve à Dirty Docks. Du coup, les gars, nous voilà arrivés à Dirty Docks. Du coup, en fait, c'est dès que vous arrivez ici, devant, en fait, dès que vous rentrez, le gâteau se trouvera juste ici. Donc, pareil, vous devez faire une danse. Voilà. Et du coup, voilà. Ensuite, on va passer au prochain spawn qui s'agit de, si je me trompe pas, de le fief de Fatalis. Du coup, on se retrouve là. Du coup, voilà les gars, on se retrouve au prochain spawn. Du coup, on se retrouve au fief de Fatalis. Et du coup, en fait, faut aller au niveau de la statue. Et en fait, vous le trouverez ici. Vous faites pareil, une danse. Et puis voilà. Hop. Du coup, les gars, on se retrouve à Salty Springs. Donc, on se retrouve là-bas. Du coup voilà les gars, on se retrouve à Salty Springs. Du coup en fait il y a juste à aller vraiment au centre de Salty où il y a le van de rétablissement. Et le gâteau est juste là. Donc, juste à faire une danse et c'est bon. Du coup les gars, on se retrouve à Sweetie Sands pour le prochain spawn. Du coup les gars, on se retrouve au niveau de Sweetie Sands. Du coup en fait le gâteau se trouve vraiment devant la pancarte de Food Fishing Fun. Donc en fait devant le port. Du coup en fait il y a juste pareil à faire une petite danse. Voilà. Et du coup les gars, on va se retrouver au niveau de Holy Edge pour le prochain spawn. Du coup les gars, on se retrouve à Holy Edge. Du coup en fait, le gâteau se trouve vraiment où qu'il y a le bus de rétablissement. Donc tout le monde doit savoir où est-ce qu'il est. Du coup pareil, on fait une danse. Voilà. Du coup les gars, on passe au prochain spawn, donc c'est-à-dire à Weeping Woods. Du coup les gars, on se retrouve au 9e et avant-dernier spawn. Du coup en fait, c'est-à-dire au niveau de Weeping Woods, comme ce que je vous ai dit. Et en fait, celui-là, il est un peu plus caché comme gâteau, en fait. Il faut vraiment venir devant cette maison-là. Et en fait, il se trouve à l'intérieur de la maison, donc il est juste devant. Donc, hop, la petite danse. Et voilà. Du coup, les gars, on va se retrouver au dernier spawn, c'est-à-dire à Slurpee Swamp. Du coup, là, les gars, là, on a le dernier spawn, donc il se trouve à Slurpee Swamp. Donc, en fait, vraiment, où qu'est le van de rétablissement, il se trouve là. Donc, une petite danse. Et hop, vous aurez terminé. Du coup, je vous mettrai un screen de qu'est-ce qu'on va pouvoir gagner avec tous ces défis. Et puis, on se retrouve au sol. Du coup, les gars, c'était juste pour vous dire que l'écran de chargement avec la tête d'Iron Man et les 100 V-Bucks ne sont pas compris dans les défis. C'était dans mon pass de combat. Du coup, les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, commenter, partager. Demain le petit code créateur, mettre faire YT en majuscule, en minuscule, on s'en fout, accepter, et puis chat monde.